Tu ne sais pas faire un assemblage à tourillon? C'est quoi un tourillon? Bon, et bien cette vidéo est spécialement réalisée pour toi alors. Salut les bricoleurs et salut les bricoleuses! Bienvenue dans un nouvel épisode des astuces Woodvlog. Et dans cet épisode, je vous explique une méthode toute simple pour faire un assemblage à tourillon. Mais pour commencer, c'est quoi un tourillon? Un tourillon, c'est ça. C'est un cylindre en bois strié, généralement en hêtre. Tu peux en trouver de diamètre de 6, 8, 10, même voire 12 mm et une longueur de 30 à 40 mm. Et pour réaliser cet assemblage, il te faudra deux planches, une mèche de 8 mm, une butée de profondeur, des centreurs, des tourillons et une visseuse. Je commence par tracer une épaisseur de planche. Je trace une ligne au milieu et à 2 cm des extrémités. Après avoir repéré l'emplacement de mes tourillons, j'ajuste ma profondeur de perçage avec la butée. Fais attention de ne pas percer trop, il ne faudrait pas que tu passes à travers la planche. Une fois ajusté, il ne te reste plus qu'à forer. Je place les centreurs dans les trous. Je positionne ma deuxième planche et j'exerce une pression pour pointer l'emplacement des tourillons. Je place les tourillons. Et je règle à nouveau ma butée de profondeur. Il ne me reste plus qu'à forer à l'endroit pointé par le centreur. Pour cet assemblage, il faut être très précis et forer bien droit, parce qu'un ajustement est impossible par la suite. Tu vois, c'est une technique toute simple pour pouvoir assembler deux planches ensemble. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle astuce. Ciao !